Oh, qu'est-ce que vous êtes timide. Bonsoir. Ah, j'ai cru à un moment que vous vous étiez endormi. Comment ça va? Bon, vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à écouter des scientifiques absolument extraordinaires? Bon, eh bien écoutez, bienvenue à toutes et tous à cette 7e édition de la Nuit Blanche des chercheurs, donc organisée, hop là, je vais tomber, par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux. Donc, comme vous le savez, cette édition se tient à Stéréolux, à la Halle 6 Ouest, mais c'est également pour ceux qui nous suivent en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas, faites tourner les liens s'il vous plaît. Thématique de cette année, ah, on ne le voit pas encore, c'est la vibration. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour les conférences qui démarrent à partir de tout de suite jusqu'à 20h, puis de 21h25 à 23h10. Pour les internautes, vers 20h, vous retrouverez Maxime et la suite de la programmation avec, tenez-vous bien, Recherche-moi si tu peux, et le quiz. Au programme des conférences, dans quelques minutes, on sera avec Lucille Bevard et Océan pour parler justement de voix. Ensuite, nous accueillerons Jérôme Sueur, Isabelle Charrier pour à l'écoute des sons de la nature. À 21h25, après la pause, on aura une discussion avec Célia Maintenant et Michael Derangeon. Ensuite, ce sera Annick Peters-Custeau qui nous parlera, figurez-vous, d'un truc absolument fou. C'est le plaisir féminin au Moyen-Âge. Oui, oui. Tout à fait. Moi aussi, quand on m'a dit ça, j'étais là genre, vous êtes sûr de ça? Oui, 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 tout à fait. Donc, ouvrez grand les oreilles, vous allez voir. Ça va être dingue. Et on terminera la soirée avec Eric Buckler qui vous mettra au défi de faire trembler cette salle. Voilà, un programme hyper riche, hyper dense que je vous propose évidemment de démarrer tout de suite. Vous le savez, c'est interactif ce soir, donc il y aura des micros. On prendra vos questions, donc n'hésitez pas. Et évidemment, on remercie les partenaires. La Nuit Blanche, qui est donc organisée par Nantes Université, Stéréolux, grâce au soutien financier du Fonds européen FEDER de la région des Pays de Loire, de Nantes Métropole, de la ville de Nantes. Et nous remercions nos intervenants et partenaires scientifiques, sans qui ce programme ne serait pas aussi riche. Trêve de plaisanterie, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, je vous propose de vocaliser un petit peu. Qui est chanteur ici? Qui est chanteuse? Qui chante un peu? Voilà, on en a quelques-uns. Voilà, ouvrez un petit peu les lumières. Est-ce qu'on se testerait pas un petit truc style mantra, là? Vous savez, les... Faites pas les timides. Je sens bien que vous avez du mal. Vous regardez vos voisins, vous osez pas. Allez, on se fait un petit... Est-ce que vous savez d'où viennent ces sons? Vous ne savez pas non plus comment est-ce qu'on produit effectivement ces sons. Eh bien, je vous propose d'accueillir justement tout de suite, on va se plonger dans les mystères de nos voix, V-O-I-X, une manière de trouver sa voix, V-O-I-E, et pour ça, je vous demande d'accueillir Océan et Lucille Bevard. Installez-vous. Bon, Lucille,
Lucille Bevard, orthophoniste spécialisée dans le diagnostic et la prise en charge des troubles de la voix parlée et chantée. Parce que figurez-vous qu'il y a une différence. Moi-même, je ne le savais pas. Océan, acteur et réalisateur. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est normal qu'on ait encore de la musique, nous, derrière ? Je vous dis ça parce qu'on a encore la musique du jingle. C'est pas super agréable. Lucille, on a commencé, en fait, à essayer de vocaliser cette salle. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Comment ça marche, une voix ? Qu'est-ce qui fait que là, je suis en capacité de vous parler ? En fait, la voix est un instrument à vent. Donc, comme quand on souffle dans une flûte, on a besoin d'air. Cet air qui provient de nos poumons va aller cheminer dans la trachée et puis dans le larynx. Et dans le larynx, ce souffle va aller rencontrer des cordes vocales. Les cordes vocales sont au nombre de deux. En fait, on les appelle cordes, mais il faut plutôt les penser comme un repli dans le tuyau. Et ce repli dans le tuyau va se mettre à vibrer au passage de l'air. Il y a plusieurs façons d'aller faire vibrer les cordes vocales. On parle de mécanismes vocaux, qui sont au nombre de quatre. Dans la voix parlée, on utilise le mécanisme 1 ou le mécanisme 2, qui correspond globalement à la voix grave et à la voix aiguë. Et dans la voix chantée, on ira utiliser ces mécanismes-là de façon bien plus large. Alors, et ample. Pour la béotienne que je suis, oui. Est-ce qu'on peut voir, pardon, mais qui ici a déjà vu ses cordes vocales ? Il y en a toujours deux, trois, là. Vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes quand même pas une majorité. J'aimerais bien savoir comment vous avez pu les voir. Vous avez mis un miroir dans la bouche ? Non, comment vous avez fait, madame ? Une caméra avec le médecin. Donc ça veut dire que déjà, ça veut dire qu'il faut aller chez un médecin. Il y avait quelqu'un par là-haut aussi qui m'a dit avoir vu ses cordes vocales. Non ? Pareil, vous aussi ? Ah oui, donc en fait, si on ne va pas chez un médecin qui nous colle une caméra dans la bouche, on n'a aucune raison de voir ses cordes vocales. Mais oui, alors il va passer par le nez ou par la bouche et on va pouvoir effectivement aller observer ses cordes vocales. Alors il faut quand même savoir que les cordes vocales, si on utilise une bête caméra, on ne les verra pas vibrer. Alors j'ai amené mon petit diapason. Quand je fais cette note-là, il faut savoir que mes cordes vocales là vont vibrer 440 fois par seconde. Mais donc Lucille, ça ne sera pas visible à l'œil nu. Puisqu'il y a des gens un peu privilégiés dans cette salle qui ont eu l'occasion de voir cet organe que personne n'a vu, on va quand même vous faire une petite proposition. En fait, t'as envie de les voir. Moi, j'ai très envie de voir des cordes vocales. Attention, attention. Attention. Vous allez voir des cordes vocales. C'est le moment qui décoiffe. Je crois que la conférence suivante traite des émotions. Vous pourrez. Voilà. Donc. Donc voilà des cordes vocales. Là, vous les voyez en position ouverte. Je fais mon tout petit topo rapide avant qu'on les regarde en action. Ça va assez vite. Donc là, elles sont ouvertes. On respire. Et donc là, vous êtes filmé à l'envers. Donc ce que vous voyez à droite, en fait, c'est à gauche. Ce que vous voyez à gauche, c'est à droite. Les cordes vocales vont se rapprocher, puis vous allez les voir s'étirer, aller dans les aigus, donc passer dans la voix de tête. On entendra peut-être d'ailleurs à un moment un petit décrochement de la voix. Donc ce sera le moment du passage dans la voix de tête. Et puis revenir dans la voix grave. Non, allez, c'est parti. En action. Hop, petit décrochement. On redescend. Donc là, c'est filmé avec une caméra qui a une lumière stroboscopique qui permet de ralentir le mouvement des cordes vocales. Donc ça, c'est ce que vous verrez si vous allez chez un médecin pour aller examiner vos cordes vocales. On vous avait dit que vous alliez découvrir des trucs de dingue ce soir. Et la même chose, alors ça, c'est tous les médecins n'ont pas ça, ça c'est de la cinématographie ultra rapide. Là, on voit le mécanisme de voix grave pour commencer, et tout de suite le mécanisme aigu, où finalement, en fait, les cordes vocales ne se touchent même pas pour aller faire le son lorsqu'on est dans la voix aiguë. Donc, ça, c'est une voix aiguë ? Ça, ce qu'on voit là tout de suite, c'est l'émission d'un son aigu, comme celui que je faisais tout à l'heure. D'accord. Mais ça veut dire que les cordes vocales, en fait, donc c'est un muscle ? Ce sont deux muscles. Alors après, les cordes vocales, on ne peut pas résumer la voix aux cordes vocales. Donc je continue mon petit topo. Instrument avant. D'accord. J'ai soufflé. Il n'y a pas que ça. Eh non.
J'ai envoyé de l'air, les cordes vocales se mettent à vibrer, et puis ce son-là qui sort des cordes vocales, en fait, ce serait un son assez basique, pas très intéressant. Et ce son-là va traverser toutes les cavités jusqu'au bout de mes lèvres. Et donc, c'est ce chemin à travers les cavités qui va enrichir le son, favoriser l'émergence de certains harmoniques et donner le timbre qui est caractéristique en fonction des personnes. Donc ça veut dire que nous, on a des cavités, pardon, c'est pas très clair, je vais me faire vraiment, je suis une béotienne là-dedans, c'est-à-dire qu'on a des espaces qui sont des espaces vides. C'est ça. Et donc ça résonne, ce qu'on produit avec nos cordes vocales va résonner dans cet espace qui est la boîte crânienne. Alors la boîte crânienne peut entrer en résonance, d'accord, mais ne sera pas traversée par l'air qui a été mis en vibration par les cordes vocales. Donc là, je parle vraiment de ce qui a été mis en vibration, la thématique de ce soir. L'air vibrant va traverser le cou, l'arrière de la gorge, la bouche, va arriver derrière les dents et puis jusqu'au bout des lèvres. Et toutes ces cavités vont pouvoir être modifiées pour donner un son qui aura une couleur différente. Ça veut dire que selon la position, par exemple, de nos lèvres, de la langue, etc., on ne fait pas le même son. Exactement. Ça aussi, on peut le voir. Tu as envie de voir plein de choses. Pour une fois qu'on peut voir des trucs pareils. Donc là, on va voir donc un chanteur qui a été filmé sous IRM. Donc on le voit coupé en deux. Et hop, je pars tout de suite. Donc on va pouvoir observer le mouvement de ses lèvres, les mouvements de sa langue, les mouvements du voile du palais qui pourrait être fermé ou bien ouvert. On va voir aussi des mouvements d'ascension et de descente de son larynx. Donc là, on est vraiment sur tout ce qu'on peut faire au niveau des résonateurs. Là, vous voyez le larynx dans le cou qui monte et qui descend. On va avoir la même chose, le larynx qui monte et qui descend dans son cou. Et donc là, ce chanteur très doué va nous faire différents styles de chant, qu'une voix légère pour commencer. Vous pouvez regarder le mouvement des lèvres qui sont très avancées. Un deuxième chant avec des cordes vocales plus épaisses, un son un peu plus intense. Et on voit qu'il a ouvert un peu plus la bouche. Là, sur le style opéra, vous allez observer à la fois les lèvres, mais vraiment la place de résonance avec cette grande ouverture. Et sur le rock, vous verrez le dernier son qu'il va produire avec vraiment un recul de la langue sur cette dernière production. Donc, en fonction des styles de chant, on change la forme des résonateurs et ça donne un timbre particulier à la voix chantée. Lucille, selon qu'on ait une grosse voix ou une petite voix, une voix grave ou une voix aiguë, comment ce que vous venez de nous montrer peut jouer ? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi le matin, on m'appelle Jean-Jacques avant 11h ouais. Et à partir de 14h, ça se réchauffe un peu et ça monte un peu. Et voilà. Comment les femmes aujourd'hui, on a tendance à se projeter dans l'idée qu'elles ont une voix plutôt aiguë. Est-ce que c'est vrai ? Et deuxièmement, comment est-ce que physiologiquement, ça, on peut le voir ? Alors, on va, pour les voix graves, on va globalement utiliser ce qu'on appelle la voix de poitrine. Donc, si je parle, moi, dans le grave de ma voix et que j'oblige ma voix à rester dans le grave, effectivement, je peux atteindre des hauteurs qui peuvent flirter avec des hauteurs qui seraient genrées au masculin. Alors là, pas là tout de suite, parce que moi, je ne suis vraiment pas bonne pour ça. Mais et le matin, on a besoin d'aller réveiller tout cette, c'est pour cette, ça qu'on tout fait ce des fonctionnement vocalises. Vocal. C'est pour ça qu'on fait des vocalises. Et puis, puisqu'on aborde cette question du genre, parce que quand même, Océan est là. Et Lucille, la transition. Donc, en fait, là, la question du genre est une question aussi de société. Je voulais juste
mettre cette petite chose-là que j'ai lue aujourd'hui, que vraiment, voilà, dans notre culture française, il y a un genre dans la voix, il y a une différence qui peut être de quasi une octave entre une voix stéréotypée homme et une voix stéréotypée femme. Mais dans d'autres cultures, et donc je lisais ça ce matin, dans une culture chinoise, donc c'est une... comment ils appellent ça, le peuple Wu, une région particulière, les hommes et les femmes ont une tierce de différence, ou même pas une tierce de différence. Donc là, pour le coup, la voix ne sert pas à genrer au féminin ou au masculin. Alors justement, Océan, est-ce que la voix, en France tout du moins, en Europe, dans l'Occident, elle a un genre ? Ce qui est sûr, c'est que la voix, en tout cas, ça fait partie de notre identité et de notre socialisation. C'est-à-dire qu'en effet, quand on passe un appel, la personne va immédiatement nous dire « monsieur ou madame », instinctivement, intuitivement, on va dire en tout cas, en fonction de la tessiture de notre voix. Donc c'est important parce que c'est vrai que quand on est une personne cisgenre, c'est-à-dire née, si vous êtes un homme cisgenre, vous avez été assigné homme à la naissance, pour le dire vite, et c'est pas forcément très grave ou très désagréable, même si ça peut l'être aussi d'être mégenré, c'est-à-dire qu'on vous dit monsieur quand c'est madame et inversement. Mais quand on est une personne transgenre, ce qui est mon cas, ça peut être plus douloureux, on va dire, parce que cette socialisation, le fait d'être reconnu en tant qu'homme ou que femme, selon le parcours de transition, est vraiment quelque chose d'important et sur lequel on est finalement fragile, c'est-à-dire il y a une vulnérabilité, et que le fait d'être reconnu, dans mon cas comme homme, se passe par le lien et le fait qu'on me dise monsieur, entre guillemets, et plein d'autres choses, mais notamment ça. Donc la voix joue un rôle très important dans ce lien et dans cette constitution de l'identité, je dirais. Ça veut dire que vous avez travaillé votre voix. Comment on passe d'une voix, pardon, je vais faire exprès, de femme à une voix d'homme? Alors après, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a, dans le cas des parcours de transition hormonale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes trans qui ne prennent pas d'hormones, toujours important de le rappeler, mais quand on prend des hormones, ce qui a été mon cas, dans ce sens-là, c'est-à-dire femme vers homme, la testostérone agit sur la taille des cordes vocales. Et en fait, ce qui fait qu'on a des voix graves, plus ou moins graves ou aiguës, c'est aussi la taille de ces cordes vocales. C'est comme à la guitare, selon où vous mettez votre doigt, la corde, plus elle est courte, plus la note sera aiguë. Donc c'est la même chose à une plus petite échelle, évidemment. Donc c'est vrai que moi, ma voix a changé juste du fait de prendre la testostérone. Après, il y a toute une histoire de récepteurs qui font qu'on réagit plus ou moins fortement. Il y a des hommes trans qui gardent des voix très aiguës. Et dans les parcours M2F, donc de femmes transgenres, pour le coup, les hormones, a priori, n'agissent pas sur la taille des cordes. Elles ne vont pas rétrécir. Donc là, les femmes trans, et c'est Lucille qui en parlera encore mieux que moi, vont, entre guillemets, apprendre à avoir un geste vocal différent qui va être plus en voix de tête, qui vont aller plus chercher dans leurs aigus, et ça va devenir leur voix et après leur voix naturelle. Donc après, il y a des hommes trans aussi qui font de l'orthophonie pour apprendre à placer leur voix. Dans mon cas, ça a plutôt été de continuer à réussir à juste placer ma voix, parce que du coup j'ai vécu une espèce de comme une mue d'ado, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que j'étais chanteur avant, que j'avais une maîtrise absolument parfaite, je croyais. Vous avez perdu cette technique-là? J'ai tout perdu. C'est-à-dire, j'avais tous mes copains trans qui me disaient, tu sais, ça va être un peu dur, hein, tu vas voir avec les hormones. J'étais là, alors écoute, je ne pense pas. C'est-à-dire que j'ai quand même des années de travail en orthophonie, et puis en phoniatre, parce que je m'étais fait opérer des cordes vocales avant, quand j'étais uniquement chanteur. J'avais eu un nodule, ce qu'on appelle un nodule, qui est comme une petite bosse sur les cordes vocales. Donc je m'étais fait opérer. Enfin, j'avais vraiment énormément travaillé avec des profs de chant et tout. Donc c'est vrai que je les regardais tous un peu genre. Je comprends, simple, civil. Dans mon cas, c'est un peu différent. Je suis un professionnel. Cut, 3 mois plus tard, salut. Et tu peux rire. J'étais sur scène à ce moment-là, donc c'était particulièrement désagréable, parce que vraiment, j'avais, en plus, dans une pièce où je jouais plein de petits rôles, on était trois et on tournait sur plein de rôles, et il fallait donc jouer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux. Donc moi, j'avais carrément établi des voix pour chacun de mes personnages de manière extrêmement précise,
Et non, ça a été une cata. C'est-à-dire vraiment, j'arrivais sur scène, je ne savais pas ce qui allait vraiment sortir. Et je faisais ce que je pouvais, vraiment, je faisais de mon mieux, mais c'était un peu la loose. D'un seul coup, c'est un corps étranger que vous ne maîtrisez plus, quoi. Progressivement, ouais, c'est vraiment, j'ai été très, très perdue vocalement pendant un certain temps. Après, ma voix a fini quand même un peu par se stabiliser. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout les capacités de chant que j'avais. En tout cas, je pensais que j'avais une tessiture qui allait se déplacer plus bas, mais que j'allais garder comme ça une étendue. Bon, en fait, il me reste vraiment plus grand-chose. Après, on en parlait avec Lucille. C'est sûr que si je travaillais beaucoup et que j'allais chez l'orthophoniste 3 fois par semaine, sans doute que je retrouverais des aigus, je retrouverais... Bon, mais là, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup perdu, y compris de ma puissance vocale, ce qui n'est pas forcément logique. Donc, il se passe des choses qui sont assez... qu'on ne maîtrise pas, en tout cas, quand on suit un traitement hormonal. Ouais. Lucille, ça veut dire que on peut travailler sa voix? Bien sûr qu'on peut travailler sa voix. Donc là, Océan parlait des femmes trans qui arrivent avec une voix masculine et qui vont faire leur transition vocale. Bien sûr qu'on peut travailler sa voix. On fait toujours appel à ces stéréotypes vocaux quand on travaille sa voix dans le cadre d'une transition de genre, avec toutes les différences qui peuvent être faites entre une expression masculine et une expression féminine. Donc là, on a beaucoup parlé des cordes vocales, parce que c'était quand même la thématique de ce soir, la vibration. Les cordes vocales, en dehors effectivement d'un traitement avec une prise de testostérone, peuvent faire du grave et de l'aigu chez tout le monde. Donc chez les femmes trans, il y aura, même si elles ont été jusque-là habituées à parler dans leur usage unique de voix grave, eh bien elles vont devoir apprendre à fluidifier leur accès à l'aigu. Donc ça, c'est l'aspect vibrant. Et puis on remarque aussi que... Donc ça, vous le travaillez, vous accompagnez. Oui, bien sûr. Et donc c'est au même titre qu'un muscle, vous apprenez à le positionner petit à petit. C'est ça. Océan parlait de tout à l'heure, utiliser ce mot de geste, et c'est un très bon mot, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de changer de geste, changer de façon de produire la voix. Et donc, il y a les cordes vocales qu'on va apprendre à s'étirer différemment, et puis il y a aussi les résonateurs, c'est pour ça que j'avais grand plaisir à vous montrer cette belle vidéo, parce que l'organisation des résonateurs est différente entre les hommes et les femmes. La résonance va être différente. On dit que chez les femmes, il y a plus d'harmonique aiguë. Donc, chez les patientes trans, on ira travailler à enrichir les harmoniques aiguës. Et chez les patients trans, on ira enrichir les harmoniques graves. Donc, ça implique un changement d'articulation. On n'articule pas tout à fait pareil. On ne bouge pas la mâchoire, la langue, les lèvres de la même façon en fonction de ce que l'on souhaite exprimer de son genre. Mmh. Océan, enfin... Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est très désagréable d'être mégenré, mais c'est pas que désagréable en fait. Ça peut être aussi une question de sécurité. C'est-à-dire que ne plus être mégenré, c'est-à-dire d'être perçu comme une personne cis, avoir ce qu'on appelle un cis-passing, c'est une mise à l'abri. C'est-à-dire que si. C'est un privilège, donc. Alors non, c'est pas un privilège, parce qu'on peut pas parler de privilège. Sur le fait d'avoir un passing, mais en tout cas, c'est une forme de, ça permet une forme de confort. C'est-à-dire que ça permet, en effet, de se protéger de la transphobie qui est absolument, qui traverse toute la société et qui peut surgir à tout moment. Donc, ne pas être perçu comme transgenre, oui, évidemment, est une mise à l'abri. Donc, la voix, évidemment, participe aussi à cette mise à l'abri, quoi. Et je dirais que dans le cas des femmes trans qui sont particulièrement exposées aux violences dans l'espace public, dans le quotidien, etc., c'est sûr que le premier mot qu'on prononce et qui fait que les gens vont penser, entre guillemets, hommes ou femmes, elles peuvent en effet avoir un grand besoin, je pense, d'être immédiatement perçues comme femmes et donc d'avoir une voix plus aiguë, encore une fois, pour être protégées des violences. Alors, elles ne seront pas protégées des violences sexistes, qui elles aussi traversent la société, mais en tout cas des violences transmisogynes. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire que la voix, c'est pas qu'une histoire de timbre en effet et de hauteur, puisqu'il y a des femmes cisgenres qui ont des voix très graves, des hommes cisgenres qui ont des voix aiguës,
Et c'est aussi la façon dont on parle, la façon dont on s'exprime. Et c'est vrai que c'est intéressant dans les parcours de transition, parce que c'est des choses qu'on interroge tout d'un coup, genre, bah, tiens, mais c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va me percevoir comme homme ou femme. Et en particulier sur la question de la voix, ce qui est intéressant, c'est moi, ce que je remarque, c'est que, ayant été socialisée comme une femme et ayant fait une transition assez tardive, il y a le fait de mettre des mélodies aussi, enfin, c'est-à-dire de passer par des notes quand même, voilà, d'avoir une voix plus chantante, ou de parler très vite, comme je suis exactement en train de le faire, parce que on coupe la parole aux femmes et qu'on est obligé de parler vite. Ce que je vais faire, si vous m'autorisez, ça veut dire qu'en fait, le débit entre femmes et hommes n'est pas le même. Bah, il y a des hommes qui parlent vite, il y a des femmes qui prennent leur temps, mais franchement, de manière générale, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Alors, ce que montrent les études, c'est que les femmes ont tendance à avoir des voyelles un peu plus longues, voilà, et une intonation sur les phrases un peu différente, voilà. Après, en termes de débit, effectivement, il y a de tout, et heureusement qu'il y a une grande diversité, voilà, mais on. Il y a quand même les dominantes, les hommes, finalement, de voyelles qui s'allongent chez les femmes. Ouais, mais les hommes cisgenres, je trouve, s'autorisent à prendre un temps dans la parole que souvent les femmes s'autorisent pas. Alors là, on fait peut-être plus appel aussi au caractère doux, l'intensité, à la force de la voix aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais il y a aussi ça dans les caractéristiques de genre. C'est quoi, quand vous dites les caractéristiques, c'est que il y a des voix puissantes. Dans le stéréotype, la femme doit avoir une voix douce pour pas prendre trop de place, et puis l'homme viril va avoir une voix un peu plus puissante, et puis il va prendre la place, et puis il va avoir des attaques un peu plus dures, et puis voilà. Enfin, vous voyez, c'est j'imite très mal. Hein, mais... non, c'était pas mal. Mais on vous a tous et toutes compris. Voilà, mais ça veut dire que Océan, il y a quand même quelque chose de notre voix. La thématique qu'on est en train d'explorer, c'est trouver sa voix VOI. Est-ce que ça passe par la voix VOX? Ou à quel moment on va réussir justement à se libérer de ces carcans et de ces représentations? Est-ce que il y a un chemin possible? De toute façon, chacun fait un chemin singulier. Si on parle des personnes transgenres, il y a une variété, il y a autant de personnes que de transidentités, ça je le répète toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas uniforme, donc chacun, chacune va faire à sa manière. Il y a des femmes trans qui ont des voix graves sublimes et qui ne les travaillent pas, et franchement, c'est canon, parce qu'elles ont trop des voix trop belles, quoi. Et en même temps, je comprends complètement que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ait besoin de se mettre à l'abri, et donc de faire, d'avoir une voix qui va quand même correspondre, entre guillemets, à ce qui est attendu par la société, de ce qui est une voix d'homme ou de femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à déconstruire, et que ce serait chouette que les hommes qui aient des voix aiguës soient pas complexés de ça, et que les femmes qui aient des voix graves. Enfin voilà. Mais pour ça, bon, bah, il faudrait mettre fin au sexisme. Donc c'est un petit chantier, quoi. Léger. Un tout petit chantier. Vraiment, tout petit. Mais j'espère évidemment qu'on va le mener, hein, tous ensemble. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, on est perclus de représentation jusqu'à cet espace très intime, finalement, qu'est la voix. Une voix qu'on est capable de travailler, de transformer. Une voix qui peut être une voix publique ou privée, parce que j'imagine que quand on est dans un cadre de présentation pour des gens qui... Il y a peut-être des profs dans cette salle, il y a peut-être des gens qui ont pour habitude de faire des présentations, on se rend compte qu'on n'a pas la même voix quand on est dans un cadre public que quand on est dans un cadre privé. Ça raconte beaucoup de nous. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire, vos patients? Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire de leur voix? Est-ce que... On a parlé de complexe, on a parlé de genre, mais qu'est-ce que ça dit de l'identité? Est-ce que ça nous trahit? Jusqu'où on peut la travailler? Souvent, ils n'ont pas trop d'idées, en fait. Ils arrivent avec une demande, je voudrais avoir une voix plus féminine, ou je voudrais avoir une voix plus masculine. Et en fait, le chemin va se faire au cours de ce travail autour de la voix. Et moi, en orthophonie, on va faire des propositions. Donc, on va aller explorer tout le possible dans une direction ou une autre. Et après, la voix va se travailler. Je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un modelage. Moi, je donne tous les outils pour que la sculpture vocale finale puisse avoir toutes les formes.
Mais ce modelage, il va se faire petit à petit en fonction du chemin aussi, du chemin du patient ou de la patiente dans la recherche de son identité, même si l'identité de genre, voilà, c'est sûr, je suis une femme. Mais c'est quoi être une femme? Enfin, ça vient questionner ça, toujours. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, vous accompagnez un cheminement. J'accompagne un cheminement vocal et qui dépendra effectivement de la personnalité de chacun et chacune, mais aussi de ses usages. Parce que c'est ce que tu disais, quand on est enseignant, par exemple, on va avoir un usage vocal qui nous demandera de pouvoir projeter la voix. Donc là, on ira travailler aussi ces aspects-là d'usages vocaux dans le quotidien. Aux séances, ce cheminement-là, comment ça s'est passé? Vous saviez tout de suite où vous vouliez arriver, ou en fait c'est vraiment quelque chose de l'ordre de voilà, on va par là, on chemine, on revient, ou comment ça s'est passé? Bah oui, c'est quelque chose. Enfin, ce que je trouve plutôt chouette, c'est d'être toujours en mouvement en fait, qui que l'on soit, et d'être capable de toujours se questionner, de se remettre en question, d'avancer. On a forcément des attentes quand on commence un parcours de transition, des fantasmes aussi et des désirs en tout cas. Et puis ils sont pas forcément tous comblés. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis la vie nous surprend toujours. Donc voilà. La preuve avec le chant. La preuve, oui, exactement. Mais on parlait de ça dans les loges avec Lucille. C'est vrai que je disais. Moi, j'avais une voix très puissante avant, j'avais une maîtrise de mon geste vocal du coup qui était plutôt pas mal, et je pense qu'en tant que femme il était important que je me fasse entendre, que je puisse me faire entendre et que je puisse avoir cette puissance. Et j'avoue qu'aujourd'hui, en tant qu'homme justement qui a un cis-passing, ben je crois que j'aime bien en fait avoir une voix pas très puissante, parce que c'est peut-être plus l'idéal de masculinité que j'ai, qui est de renoncer à la puissance pour les hommes. Et donc j'aime bien incarner ça finalement, et je crois pas que j'ai forcément envie d'avoir une grosse voix. Parce que les mecs qui ont les grosses voix, franchement ils me saoulent, quoi. Enfin, les hommes cis me saoulent déjà, mais vraiment en plus quand ils parlent trop fort, ils me saoulent. Donc j'aime bien avoir pas de voix. C'est pas mal. Juste Lucille, peut-être revenir sur cette spécificité dont nous parlait Océan sur le chant. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas prendre un talent, une technique, et le positionner sur l'autre typologie de voix qu'on essaye de créer. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut transférer. Il faut réapprendre tout. Oui, il y a vraiment un... Alors là, c'est sûr que dans les transitions masculines, quand il y a une prise hormonale, il y aura modification vocale. Donc là, il y a un réel basculement, tu l'expliquais tout à l'heure, une sorte de mue, un moment où tout est chamboulé. Donc là, il y a un réapprentissage réel. Après, quand on est dans un cadre de féminisation vocale, de fait, de toute façon, il y a un geste à changer pour la voix parlée. Donc ce geste à changer sera aussi, ce geste sera également à changer pour la voix chantée. Et vous disiez, parler c'est marcher, chanter c'est courir. Oui. Oui, je ça dis veut dire ça. Quoi Je dis même, parler c'est marcher, chanter c'est faire du saut de haie. voilà, c'est tout est plus grand quand on chante, on utilise sa respiration différemment. On a besoin souvent de faire des phrases beaucoup plus longues quand on chante que quand on parle. Et puis on a besoin aussi d'aller jouer, tu me disais tout à l'heure, avoir autrefois une étendue vocale de 3 octaves. Quand on parle sur une quinte, une octave. Donc voilà, on a besoin d'avoir beaucoup plus de souplesse. Et puis on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, quand on chante, on a besoin de faire appel à une grande souplesse dans les résonateurs, ce qui est beaucoup moins le cas lorsque l'on parle. Mmh. Mmh. Alors maintenant, c'est à vous. J'ai assez travaillé. On va rallumer la salle, s'il vous plaît. Il y a des micros. Je suis sûre qu'il y a des questions de tous ces gens qui maîtrisent soit leur corde vocale, soit qui sont des chanteurs, soit... Madame au milieu, j'en ai vu là. Il y en a d'autres là-haut, j'ai pas vu. Qui se lance? Il y a une dame aussi là-haut. Hop. Il y a un micro? Oui, bonjour. Il y a une question juste devant, ici. Madame, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, en blanc? Oui, exactement. Le micro arrive. Super. Et ensuite, il y a une autre dame là-haut qui a levé la main aussi. Madame, vous pouvez relever la main? Relevez la main. Vous aviez une question? Oui, vous? Voilà, pour que le micro arrive à vous. Bonjour madame, je vous en prie. Oui, bonjour. Oui, c'était pour vous demander
Parfois, il y a la différence entre chanter faux et chanter juste. Et en fait, c'est dû à quoi ? Est-ce qu'une personne, par exemple, qui, entre guillemets, qui va chanter faux, elle peut chanter juste ? Oh là, alors il y a... Il y a plusieurs raisons à cette différence. Au chanter faux, il y a des raisons auditives, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont du mal à faire se connecter ce que j'entends et ce que je fais. Donc il y a voilà, ces raisons-là. Après, il y a des personnes aussi qui ont du mal à intégrer le message plus au niveau neurologique. Donc on décrit aussi hein, des particularités chez certaines personnes, vraiment des grosses difficultés à aller chanter juste parce que... Voilà, comme une sorte de dyslexie du chant. Et ça se travaille, ça ? Voilà, on peut toujours travailler une voix chantée pour essayer de lui retrouver plus de justesse. Ça donne parfois de très bons résultats, et des fois, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais vraiment en fonction aussi de l'origine. Comme un patient dyslexique, avec certains, on pourra vraiment arriver à trouver des moyens de compenser, et puis d'autres, ça sera difficile pour toute la vie. Hein, donc, j'espère répondre à votre question. Et par exemple, si on aime le chant et qu'on voudrait apprendre à chanter, vers où on pourrait aller en fait ? Oh, il faut aller voir un prof de chant. Mais c'est une super question parce qu'en fait c'est pas évident de se retrouver dans une assemblée où tout le monde chante et puis de se rendre compte que ah oui c'est toi qui chante faux au fond, enfin il y a là aussi on est dans du stigmate. Exactement, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et parfois les personnes aussi qui chantent faux elles peuvent aussi s'insérer aussi et ça peut faire partie aussi d'un tout quoi, d'une diversité aussi, au niveau de la voix aussi, et on peut aussi, ça peut aussi donner des choses intéressantes. Exactement, ça c'est tout à fait juste. Voilà, il faut de la place pour tous. Merci, mademoiselle, madame. Oui. Là-haut. Bonsoir. Alors j'ai une question sur le handicap parce qu'on a parlé de genre, des discriminations qui peuvent aller avec le genre et la voix, la façon dont on peut vocaliser. Et du coup, je pense qu'en tant qu'orthophoniste, vous devez travailler aussi avec des questions, avec des personnes qui ont des handicaps, et notamment des personnes sourdes qui auraient besoin d'utiliser leur voix. Donc je voulais savoir comment vous travaillez là-dessus. Alors malheureusement, je ne serais pas la mieux placée pour répondre à cette question. Je ne reçois, moi, que des personnes qui ont des problématiques vocales. Donc je vais pouvoir vous parler du handicap vocal, mais malheureusement pas d'autres types de handicaps. Mais ce que j'entends, si vous permettez de tirer le fil de madame, quand une personne est sourde, en fait, ça veut dire qu'elle a un problème de surdité, mais dans l'absolu, ça veut dire qu'elle n'a pas de problème de corde vocale. Absolument pas de problème de corde vocale. Alors, je peux vous répondre quand même de façon très globale, mais je ne pourrais pas aller bien loin dans ma réponse. C'est que les personnes sourdes donc, n'ont pas de retour auditif de la production vocale. Par contre, elles ont un retour de vibration. Elles perçoivent la production vocale par l'intermédiaire des vibrations. Donc, le travail des orthophonistes sera de les aider à percevoir justement ces vibrations qui sont émises au niveau du cou, hein, puisque les cordes vocales se trouvent là, les aider à moduler leur voix par cette perception de vibration. Et ça veut dire que nous, est-ce qu'on peut percevoir ces vibrations ? Ah oui, là. Donc en fait, il faut faire quoi ? Il faut mettre là, oui, c'est vrai qu'on les entend. On les entend, on les sent. On sent très bien les vibrations. Ça peut se travailler. Et c'est ce travail-là qu'on fait avec les personnes sourdes. Ouais, notamment. Qu'on pousse de plus en plus aussi, disons-le clairement, à vocaliser. Ah oui, maintenant. Oui, tout à fait. Ça, c'est... le fait justement d'être absolument poussé à rentrer dans une forme de norme, c'est un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure sur la... nécessité peut-être sociale, enfin une forme de pression, d'injonction à nous pousser finalement à
avoir une voix puissante quand on est un homme, sans du coup s'interroger sur ce que ça signifie, sur la vision de la masculinité que ça laisse supposer derrière, cette voix douce dont vous parliez tout à l'heure. Madame évoque les sourds, qu'on pousse de plus en plus aussi à vocaliser. Il y a quelque chose de l'ordre du rapport à l'inclusion, d'une société qui n'est pas très inclusive. Comment est-ce que vous voyez un peu tout ce phénomène ? Bon, oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans une société très inclusive, même si ça évolue quand même, ça bouge un peu, et puis que, en effet, la possibilité pour les groupes minorisés de s'organiser et d'avoir des revendications, notamment grâce aux réseaux sociaux, voilà, au fait que tout d'un coup des gens qui se parlaient pas forcément avant puissent là communiquer. Moi, je suis pour le coup assez proche de la communauté sourde, parce que j'écris une série en ce moment sur les interprètes en langue des signes, et pour ma saison 2, j'ai filmé une personne sourde. Donc, je vois aussi que justement, dans la communauté sourde, il y a quand même, chez les militants, en tout cas, un désir déjà de plus être appareillé, qui est quand même le truc le plus lourd, parce que justement, tu ne peux plus passer d'IRM, enfin, ça peut être quand même un problème, et donc de pas entendre à tout prix. Et donc il y a même des personnes sourdes qui se font désappareiller, et sur le fait d'oraliser aussi des personnes sourdes qu'on a beaucoup poussé, à qui on a appris à oraliser, qui ne veulent plus oraliser en fait, qui veulent juste que, enfin, ce que je trouve très sain, c'est qu'on apprenne tous la langue des signes, ça devrait être à l'école, ça devrait être normal. Donc bon, même si la société a tendance à toujours en effet vouloir ramener vers une norme hégémonique et faire entrer tout le monde dedans, Il y a aussi en parallèle, heureusement, les personnes concernées par une discrimination qui ripostent et de manière du coup joyeuse. Et les personnes queer, typiquement, par exemple, les personnes trans qui ne s'hormonent pas ou qui vont justement refuser d'être dans une case, etc. Toutes les personnes qui revendiquent la non-binarité aujourd'hui, y compris chez les personnes plus jeunes, permet quand même de penser que oui, qu'on ça s'ouvre aussi progressivement, même si encore en effet beaucoup de travail. Alors du côté d'Internet, vous pouvez encore lever la main, hein, vous avez le droit encore de poser des questions. Hein. Alors il y en a une devant, est-ce qu'il y en a une encore là ? Et en attendant, je vous en pose deux. Océan, en voix chantée, y aurait-il des notes que vous ne pouvez plus atteindre ? Primo. Deuxio, j'ai vu passer une autre question qui disait, est-ce que notre voix change au cours de la vie ? Voilà. Et madame derrière, on va prendre les questions en même temps, comme ça on répond à tout. Alors moi, j'aurais souhaité vous poser une question sur la perception des voix. Étrangement, je travaille dans un hémicycle dans lequel les voix des hommes sont bien perçues, alors que lorsqu'une femme s'exprime, et surtout dès que sa voix monte dans les aigus, sa voix est mal perçue, c'est-à-dire qu'elle devient désagréable à l'oreille. Et je ne comprends pas cette notion de voix agréable et de voix désagréable en fonction de si elle est aiguë ou grave. Pardon madame, mais quand vous dites que vous êtes dans un hémicycle, donc vous êtes à l'université, vous avez quoi ? C'est un amphi ? C'est comment ? C'est un hémicycle qu'on appelle aussi la maison du peuple. Je travaille à l'Assemblée nationale, oh, je suis députée. Donc la voix des hommes, bizarrement, est bien accueillie, surtout quand elle est grave. Et d'ailleurs, il y a des voix très, très, très graves dans l'hémicycle. Donc le problème, c'est pas l'hémicycle, en fait. C'est... Je me pose la question et je vous pose la question. Est-ce que c'est un problème de perception de la voix aiguë et de la voix grave, ou est-ce que c'est juste qu'on a peut-être d'autres options? Je ne vais pas répondre à votre place, mais il y a vraiment cette notion de la voix qui est vraiment perceptible, de comment la voix des femmes et la voix des hommes est perçue et reçue. Merci beaucoup. Et il y a madame qui est en bleu juste derrière, comme ça. Ma question concerne des cultures ou des langues dans lesquelles il y a des sons. Alors je pense au Népal, au Mongol, ou même dans la langue arabe, il y a des sons. Est-ce que nous, on est capable de les produire aussi ? Est-ce que c'est une question de morphologie, de position de résonateur, de bouche, langue, etc. Ou pas ? Voilà. Merci pour cette question. Et il y en avait une, peut-être encore une dernière devant, c'est ça ? Non, il n'y avait pas la... Non, bon, bah, c'est bon. Je vous propose qu'on réponde à tout. Lucie. Je peux répondre rapidement à vous, madame, sur la question des langues avec des sonorités qu'on n'a pas dans notre propre langue.
On est tous foutus pareil. On a tous voilà, des lèvres, une langue, un voile du palais, une mâchoire. Donc on est censé tous pouvoir dire tous les sons qui existent dans le monde. Après, on sait, donc ça c'est plutôt les linguistes qui sauront bien répondre à ce type de questions. Mais voilà, le bébé, même au moment où il est dans le ventre de sa mère, commence déjà à entendre des sons. Et puis à sa naissance va continuer de baigner dans ces sons-là et va se construire dans ses gestes avec mimétisme sur les sons dans lesquels il sera baigné. Donc c'est de cette manière qu'on arrive nous plus facilement à parler le français si on a baigné dans cette langue, mais on a la possibilité mécanique d'aller faire des sons qui ne sont pas dans notre langue. Mais ça veut dire que l'idée qu'il faut entendre une langue avant 3 ans pour pouvoir produire les sons, oui. C'est quoi ? C'est une légende urbaine ? Je n'ai pas de réponse à cette question, bon, mais j'imagine bien que ben, on est dans une souplesse cérébrale, mmh. En plus, quand on est tout petit, qui nous permet on le sait bien, hein, d'accueillir beaucoup plus de savoir que... Est-ce que notre voix, elle change au cours de la vie ? Ah oui, notre voix change au cours de la vie. Bon, on le sait bien déjà, voilà, un premier changement, c'est le moment de la mue qui arrive chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Donc, chez les hommes, il y a une octave qui va se parcourir et chez les femmes, une tierce. Donc ça peut être aussi un petit moment parfois perceptible chez les jeunes filles. Et puis bah, quand on vieillit, la voix des hommes a tendance à devenir un peu plus aiguë et la voix des femmes à devenir un petit peu plus grave. Ça s'appelle la presbyphonie. Voilà. La presbyphonie. On avait la presbytie. Et puis on connaît aussi le caractère un petit peu plus chevrotant des personnes qui vieillissent. Donc voilà, ça c'est la presbyphonie. Sur les voix agréables, désagréables, océan. Je suis pas très neutre. J'ai quand même l'impression que c'est un prisme sexiste. Enfin, je suis désolée d'y revenir, mais. Bah oui, hein, vraiment. À l'Assemblée nationale, il y a plein d'autres signaux forts hein, qui nous montrent que plein de trucs des femmes sont moins bien accueillis que des hommes. On rappelle quand même. Étrangement, c'est marrant, c'est toujours dans ce sens-là. Et alors, pardon, mais dans le genre, le règlement intérieur interdisait quand même il y a encore quelques années. Aux femmes de porter le pantalon au sein de l'Assemblée. Mais bon. C'est ça. Donc ça va dans la même, pour moi, dans la même dynamique. Après, sur les sons agréables ou pas agréables, il y a peut-être en effet le fait qu'on s'est, voilà, on est habitué aussi. Encore une fois, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche ? C'est toujours ça la question. C'est culturel. C'est tout d'un coup, si on décide que le grave et la puissance dans les graves, c'est beau et que les aigus, c'est moche, bon, bah, on va facilement s'en convaincre. Si on trouve que le mot autrice, il est affreux, hideux à l'oreille et que c'est mieux de dire auteur, bon, bah, à un certain point, tout le monde va être d'accord. Enfin, vous voyez, je veux dire, la liste est sans fin et sur le son, je veux dire, on va pas tous, malheureusement, mais on peut potentiellement tous avoir déjà entendu de l'opéra et trouver que les voix aiguës des femmes sont les plus belles. Donc, après, je pense qu'il y a un ensemble de choses où, encore une fois, la socialisation des femmes et le fait qu'on leur explique toute la journée qu'il faut pas qu'elles parlent fort et que quand elles le font, c'est agressif. Et que du coup elles-mêmes n'apprennent pas forcément à poser leur voix dans leurs aigus et d'avoir justement la fluidité que peut avoir une chanteuse lyrique qui elle va travailler, même si bien sûr on distingue les voix chantées des voix parlées. Tout ça est un ensemble qui fait que peut-être les femmes posent entre guillemets un peu moins bien entre guillemets, j'aime pas trop ce terme là, mais leur voix que les hommes naturellement, parce qu'ils vont être très tôt encouragés à le faire. Donc ça, la réponse reste la même, le sexisme. Mais enfin, je sais pas toi comment bah, justement, on peut aussi penser à l'aspect des modes vocales. Hein. Là, les femmes ont tendance à aggraver leur voix et à avoir des voix un peu plus feutrées dans le timbre. Là, je pense tout de suite à la voix d'Arletty. Si on pense à la voix d'Arletty, à son époque, elle n'était pas du tout désagréable, alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire d'une voix telle « Oh, dis donc, mais quelle drôle de voix hein. !» Ouais, On arrive au bout, malheureusement. Océan, oui. Des notes gagnées, des notes perdues, est-ce que... Alors, beaucoup, beaucoup de notes perdues. Non, des notes gagnées, bien sûr. J'ai des graves, j'ai quand même des graves que j'avais pas avant, mais c'est vrai que j'ai vraiment perdu mes aigus. Mais après, je sais qu'il y a des jeunes chanteurs trans qui sont terrifiés quand je dis ça, et je rappelle toujours que si on travaille fort, on peut, je suis sûr, retrouver ses capacités. Donc c'est juste
que je ne fous rien, il ne faut pas se fier à moi. Donc, ouais. Océan est un peu feignant. C'est sûr. Mais on aura le plaisir, évidemment, à le retrouver sur scène. Il chantera peut-être pas, mais dans le cadre du festival Être un homme, organisé par le Grand T ce week-end, vous êtes demain au TU et samedi après-midi à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Océan. Merci Lucille Levar. Merci. Merci à vous pour vos questions. Ne bougez pas, ne bougez pas. On continue d'explorer le monde du son avec Isabelle Charrier et Jérôme Sueur. À tout de suite. Any stars together?